Thank you.
Mais avant d'y arriver, nous voulons d'abord laisser quelques mots pour qu'enfin faire comprendre à la séance la quintessence de notre présence en ce lieu. Dans l'illustre du Spahi, je cite M. Bilomba Bounsana André José. En effet, il est impossible d'apprécier correctement la lumière sans connaître les ténèbres. Ces derniers expriment la page noire de notre parcours existentiel. C'est dans cette acceptation, combien douloureuse, que la présence de chacun de nous trouve relativement toute sa substance dans cette cérémonie de réseau funèbre. Bonjour à tous. Pendant quelques précieuses secondes, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans nos prières. Éternel Père très saint, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Te disons merci parce que c'est ta volonté pour nous de te rendre grâce en toutes circonstances. En ce moment, nous sommes sur le point d'écouter ta parole, qu'elle vienne, qu'elle guérisse les cœurs meurtris, qu'elle reconforte, qu'elle console, parce que toi seul, c'est mieux de faire que quiconque. Que toute la gloire, la louange et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pendant quelques minutes, j'aimerais m'entretenir avec nous en ce jour où nous sommes en train de pleurer un être qui nous a été très cher. J'aimerais que rapidement nous puissions parcourir les Écritures. J'aimerais que nous puissions lire le livre de Job, un passage que nous connaissons certainement ou que nous avons déjà entendu citer plusieurs fois. Job chapitre 1er, le verset 21. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Job a sorti un serviteur de Dieu, un fervent serviteur de Dieu, qui a été éprouvé, qui a été mis à l'épreuve de manière très forte. Il a perdu de manière successive ses enfants, ses biens, tout ce qu'il possédait. Il a vu le monde autour de lui s'écrouler. Une catastrophe comme on ne peut presque pas l'imaginer, mais que le nom de l'Éternel soit là. Dans cette phrase, mais une phrase sur trois choses. La première, c'est que c'est bien d'être. En ce jour, alors que nous sommes en train de pleurer, alors que le cœur et les gens ne sont pas là-dessus, le Seigneur m'entend rappeler que c'est lui qui donne. Dans Jacques, le chapitre 1er, verset 17, la Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent d'en haut. Du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous croyons donc et nous confessons que c'est l'Éternel, en effet, qui donne, c'est l'Éternel qui nous a fait la grâce de connaître Papa André, Bilombo Bounsana. C'est l'Éternel qui nous l'a donné. C'est l'Éternel qui nous a donné tous les jours merveilleux que nous avons passés en sa compagnie sur cette terre. Certains parmi nous ont certainement des souvenirs qui vont chérir le restant de leur vie. Les moments merveilleux qu'ils ont passés avec cet homme qui était combien. Comme nous pouvons le lire dans le chronique de 29 et verset 14, tout ce que nous possédons nous vient de l'Éternel.
un moment de chagrin, un moment de douleur intense comme ceci ne nous fasse pas oublier ce que l'Éternel nous donne. Et que si nous perdons un jour, c'est que nous avons reçu un jour. Si nous estimons que nous avons perdu quelqu'un, c'est parce que nous avons reçu un jour. Pendant que nous sommes en train de pleurer, pendant que nous sommes mortifiés, souvenons-nous de même. Que certes, nous avons perdu notre chair, mais nous n'avons pas perdu le Dieu du monde. Nous devons perdre notre présence parce que nous l'avons. Le monde, et c'est comme si la vie de cet homme n'avait été abandonné. Que la vie de la vie, du bonheur qui nous a apporté, parce que nous ne pouvons pas se demander à nous. Que nous avons mis la face, que nous avons pris notre chair. Mais donc, il fallait pas que nous devions aller dans le monde. Et tous les deux autres, c'est la même chose que nous devions aller en dehors. Parce que l'été, c'est celui qui donne, c'est celui qui a aussi la capacité de le faire. C'est celui qui donne la grâce, c'est celui qui a donné la grâce. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de moi. Ce texte est pour moi l'un des textes qui exprime de la manière la plus claire la souveraineté de Dieu. Il dit qu'il est celui qui fait vivre, mais il est aussi celui qui fait mourir. Nous avons tout intérêt à vivre en harmonie avec Dieu, parce que le maître du souffle, c'est Dieu. Le maître de la vie, c'est Dieu. C'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. C'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. Et personne ne peut délivrer de sa main. Job en a fait l'expérience. Mais ce que j'aime, c'est que la fin de la vie de Job a été bien plus heureuse que ses moments de douleur et même ses moments de joie précédents. Je crois fermement que le Dieu qui nous afflige aujourd'hui est le Dieu qui va nous redonner la joie, le bonheur et la paix. Que le Saint-Esprit de Dieu, le Consolateur qui nous a été promis et envoyé, puisse consoler tous les cœurs meurtris. Que le Saint-Esprit de Dieu, qui est celui qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement,
puisse tourner nos cœurs vers Dieu et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais pendant quelques précieuses secondes encore que nous puissions incliner nos têtes dans la prière. Avec les dépôts des gerbes et des fleurs, nous commençons par la délégation des TGI, là où Papa André travaillait. Nous invitons la direction urbaine de Kinshasa. Il y a trois départements là-bas. Il y a la direction urbaine de Kinshasa, il y a CIS et les anciennes directions de Kalam. Nous invitons de CIS.
s'il vous plaît. Vous attendez là où vous êtes, madame.
Accélérez avec les pas, s'il vous plaît. Accélérez avec les pas, nous couperons derrière le temps. Accélérez, s'il vous plaît. Au nom de ses enfants, au nom de ses petits-enfants, je voulais tous vous remercier d'être venus, d'avoir arrêté tout ce que vous étiez en train de faire ou de tout ce que vous avez planifié pour venir avec nous ici. Pleurer parce que nous ne voulions pas qu'ils partent. Nous avons prié jusqu'au bout parce que nous ne voulions pas qu'ils partent. Mais aussi rendre grâce à Dieu pour la vie de cet homme. Tout à l'heure, j'ai dit un peu ce qu'il représentait pour la famille. Mais au-delà de la famille, au-delà d'être notre papa, notre oncle, au-delà d'être celui qui parlait pour nous dans les mariages. Voilà, merci beaucoup. Parce qu'il nous avait confié quelques mots à dire devant cette assemblée. Maman Elissa a ainsi que s'est levée. Comme ça, on va lire quelques mots venant de l'épouse. Voilà, nous allons lire quelques mots. Comme il est difficile pour moi, ton épouse en dit, de rédiger ces discours, cet éloge pour lui rendre hommage une dernière fois. L'expression de tes sentiments n'était certainement pas ton point fort, mais tu as toujours su témoigner ta générosité significative à ma personne. Toi qui avais l'art de cultiver l'amitié, la bonne humeur, tu rendais toujours ces moments joyeux et uniques. Aujourd'hui, c'est à moi de te dire à quel point tu vas me manquer pour le reste de ma vie. Tu as été un être véritable, un vrai pilier. Au quotidien, tu étais l'homme des situations. En plus d'être un mari aimant, tu étais rigoureux, généreux. Je sais que ce texte ne pourra pas exprimer tout ce que j'ai envie de dire. Mais hélas, on n'est jamais préparé au départ d'une personne que l'on aime pendant toute sa vie. Tu laisses un vide dans mon cœur, que ton âme repose en paix. Voilà quelques mots très combattissants et douloureux de Maman Elissa, je vous en prie. Vous pouvez regagner votre place. La sœur de Papa André, Maman Marie-Josée, travaille dans les cabinets des ministres de l'Environnement. Et nous invitons aussi les honorables députés. La famille m'a soutenu aussi. Et les autres honorables députés. Merci beaucoup pour cette expression d'amour manifestée. Merci beaucoup. Ça, c'est le cabinet du cabinet, des collègues de Maman Marie-Josée, la sœur de l'Église de Paris, et l'honorable Massoumi. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette expression d'amour manifestée. Petit à petit, nous assistons déjà vers la fin, mais.
doit être faite maintenant, c'est vraiment indispensable. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Ce n'est pas facile de perdre un être aussi. Voilà, cette cérémonie devait se faire déjà au pays de... Alléluia. 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 Si les chrétiens sont là, nous acclamons pour le Seigneur. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Éternel Dieu, nous te disons merci. Tendre Père, nous te retournons la gloire. La gloire pourquoi, Seigneur? Parce que tu as accompli ta parole. Séparation. Mais en principe, bon, c'est vrai que nous sommes arrivés légèrement en retard. Les deux personnes, la personne qui nous a quittés, notre très cher papa, était chrétien. Moi, non, si nous sommes là, c'est pour lui parce qu'il a été chrétien fervent. À l'église Père des Vainqueurs International et sa femme, Maman Élisée, est servante là-bas. Donc, en principe, c'est la parole de Dieu qui devait être vraiment en premier lieu en ce moment. M'accorder 5 minutes, je trouve que vous n'avez pas respecté la volonté. Mais on va faire un effort dans 10 minutes de faire ce que nous, le Seigneur va nous mettre à cœur de faire. Je voudrais d'abord, avant toute chose, vous lire une portion de la parole de Dieu. Dans le livre de Jean 17, à partir du premier verset jusqu'au cinquième verset. Je l'ai dit rapidement. Nous allons lire une portion de l'Écriture, Romains 7, verset 2. La Bible nous dit, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Une femme mariée est liée à la loi par son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. » Acclamons la parole du Seigneur. Une femme mariée est liée à son mari, rien que du vivant de son mari. Mais du moment où il y a la mort, la femme doit être dégagée de ces liens-là. Elle doit être dégagée de l'engagement, de vous dégager. Spirituellement, physiquement et mentalement. C'est vrai que vous n'allez pas vous détacher de votre mari. C'est vrai que physiquement, il ne sera plus avec vous. Mais il sera toujours dans vos pensées. Mais la loi qui vous liait, les liens qu'il y avait entre vous deux, c'est bien là d'être coupé. Yesun de colaboli. Père, de faire cette
avec M. José, André José. Et maintenant qu'il n'est plus de ce monde, vous êtes dégagés maintenant, au nom de Jésus, de tout lien. Lorsqu'il introduisait la bague, il y a des mots qu'il avait prononcés. Maintenant, tous ces mots-là n'ont eu aucun effet sur vous maintenant. Au nom de Jésus, nous prisons, nous anéantissons et nous vous déclarons maintenant libres. Au nom de Jésus. Aucune loi ne peut et ne pourra encore vous condamner. Aucune personne ne pourra encore vous condamner. Aucun esprit ne va venir sur vous. Maman Élisée, avec l'autorité de Dieu, la puissance du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit, vous êtes dégagés. Vous êtes libérés pour vivre. Nous récupérons aussi l'anneau de votre défunt mari. Vous devenez libre, non pour mourir, mais d'ici peu de temps, mais pour vivre, pour continuer l'œuvre, pour continuer les projets, pour continuer le travail que vous avez ensemble, qui était inachevé. Personne, alors personne, ne va vous tourmenter. La personne qui essaiera de s'habiller le corps de votre défunt mari pour vous déranger, croisera sur son chemin la puissance du Christ au nom de Jésus. Les acquis passeront pour vous causer du tort. Ils verront le Dieu de l'époque, qui est le vrai Dieu limite au nom de Jésus. La personne mal intentionnée à vous nuire, à vous faire du mal, aura sur son chemin le Dieu tout puissant au nom de Jésus. Mais que la grâce de Dieu soit avec vous. De continuer à éduquer, à élever, à garder, à aimer, à construire, à bâtir. Vous serez en bonne santé au nom de Jésus. Vous serez en bonne santé au nom de Jésus. Vous serez en bonne santé au nom de Jésus. Vous serez en bonne santé au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que l'onction de Dieu reste sur vous. Au nom de Jésus. Cette onction n'est pas jamais cessée. Au nom de Jésus. Nous vous bénissons et nous vous déclarons libres. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Hein? Mais il y a une petite volonté de la sœur de l'Église de Disparu, Maman Marie-Josée, qui souhaitait qu'avant on puisse lever le corps, qu'il doit donner quelques cantiques, je crois dans 2 ou 1 minute. Nous invitons Maman Marie-Josée. La maman est là. Je vais essayer de chanter la chanson que mon frère aimait. Je vais faire un effort de la chanter. Dans le pays de la gloire éternelle, dans ce beau ciel où l'on ne souffre plus, te contempler abrité sous ton aile, c'est le bonheur que je rêve, ô Jésus.
Thank you.
notre côté, à vraiment pas de considération pour nos disparus à la nécropole entre terre et cesser le respect du moment, puisque nos morts doivent être respectés, voilà, qui justifie ou qui explique tous les gestes que nous posons à l'endroit de nos chers disparus dans tous nos deux sites. Nous allons, dans cette logique de respect aux morts, aussi garder ces sites qui les accueillent non envahis par des bouteilles plastiques. Donc, si vous avez des bouteilles d'eau, c'est votre droit, mais de préférence, consommez cette eau et laissez-nous les vides en les jetant dans nos poubelles qui sont sous nos yeux devant nous là, puisque nous évitons d'aller les jeter dans le quartier qui accueillera notre très cher papa André Jossé. Aussi, si vous êtes là pour la toute première fois, dans le grand bâtiment là devant nous, nous avons prévu des sanitaires ou installations hygiéniques ou encore toilettes pour dames et messieurs, pour les dames. C'est là devant, au préau, c'est indiqué d'ailleurs. Et pour les messieurs, c'est juste derrière, à côté du grand camion jaune. Par moments, certains méchants ou incivils ou déviants nous accompagnent. Ils font semblant de compatir à notre malheur, mais ils sont là pour nos téléphones, nos sacs à main, nos porte-monnaies, aussi nos véhicules, nos motos. Donc ça arrive par moments, certains méchants qui nous accompagnent. Donc nous devons aussi, chaque fois nos parents et nos frères et soeurs, être très vigilants. Merci de votre compréhension, monsieur, surtout de votre étroite collaboration. J'aimerais introduire ce mot d'accueil relatif à l'animation de notre très cher papa Guillaume Gonçalves André Vélé par cette citation qui nous dit ceci, je cite: si tu as été aimé, si tu as donné du bonheur ou de l'espérance, il se trouvera forcément quelqu'un au jour de ta mort pour te fermer les yeux, quelqu'un pour rassembler tes amis, organiser une veille et t'entourer, de te souvenir le plus cher. Fin de citation. C'est d'après un auteur français, Jacques Attal. Eh bien, chers familles, parents et amis, aujourd'hui, ce sont les pas de papa Guillaume Boussana André José qui se sont arrêtés pour un nouveau départ. Pour lui, c'est l'heure choisie de regagner l'autre rive qui est le point de rencontre de tous tôt ou tard et sans exception. Pour vous tous qui l'accompagnaient dans son dernier voyage, dans cette belle cité dédiée à nos chers disparus, la nécropole de Kinshasa, c'est la consternation, l'abattement et la souffrance. C'est une perte pour laquelle nous vous présentons nos condoléances les plus sincères. De son passage ici sur Terre, nous pouvons retenir que papa André José est issu de la lignée parentale de papa Vincent à Marseille et du maman Fotolo Suzanne, originaire du village de Sinza. Surtout sa veuve épouse ainsi que ses enfants et petits-enfants pour qui nous avons une pensée particulière aujourd'hui. Agent d'administration de première classe à la direction provinciale des Alpes et doté de bonnes valeurs et des principes aussi rigoureux quand cela était nécessaire. Il nous invitait toujours à vivre dans l'unité et dans l'enfer au sein de la famille. Et en cas de besoin, je vous suis en train de vous pouvez compter sur sa disponibilité, sur ses conseils ainsi que sur son assiette, une partie des choses. Bien sûr, ce que nous aimons ne nous appartient pas, mais notre cœur leur appartient. Nous sommes aussi pour toi. On te demande si tu auras la force de marcher dans un monde où les rituels, les convictions religieuses, la philosophie sont impuissantes à guérir tes blessés, mais le pouvoir de l'amour te réconfortera. Tu réconfortera, voulais-je dire, tu trouveras dans les cœurs de ceux qui trouvent de l'amour et qui se préoccupent de toi, ceux qui ont traversé le pays de larmes où tu te trouves aujourd'hui, te montreront les chemins, le soleil s'y verra chaque jour et chaque nuit, la lune et les étoiles brilleront dans les cieux. Les chers familles, parents et amis, rassurez ces jours qu'il repose en paix et qu'il est transformé pour une vie éternelle. Je ne veux plus jamais chercher à rencontrer papa André José Guillaume Gonçalves, très cher, à son domicile conjugal, si nous n'avons aussi le bis de l'avenue de Kalingo, au quartier agricole dans la commune du Limité, ni à son lieu de travail, à la direction provinciale de la direction générale des impôts, déjà écrit en cible, moins encore à la sortie du culte du dimanche à l'église Chapelle de Vincent, située sur la 7e rue au quartier industriel de Métier, dans la commune de Roi, parce que tout simplement, à partir de ce jour, il vient de changer d'adresse. Les deux au numéro 51 de l'avenue Hydral et tout, dans la commune de Lancer. Je répète, la nouvelle adresse physique de notre très cher papa, Bilombo Gonçalves
André José, qu'on appelle affectueusement José et bel et bien, cité Métropole de Kinshasa, quartier Mirzam, allée 2, au numéro 51 de l'avenue Hydra, les tout dans la commune de Lancé. Donc ici, chers familles, parents, frères et sœurs, qui vous reviendrez si souvent pour perpétuer sa mémoire, vous souvenir de lui et pour offrir sa tombe ou sa sépulture, le visite à la métropole entre terre et ciel, dans tous nos décès, c'est-à-dire ici, nous nous trouvons à Benzalé. Et de l'autre côté, à Kimpoko, au nom de l'académie policière, vers Maloko, pas vers Mandoulou, vers Maloko. Au nom de toute l'équipe de la nécropole, entre Terre et Sept et ses partenaires, dans l'hôtel des villes de Kinshasa et la Croix-Rouge, nous réitérons à vous, chers familles, parents et amis, frères et sœurs, nos bien sincères condoléances. Nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Maintenant que cette cérémonie touche à sa fin, tout en espérant que toutes les évocations et accompagné solennellement d'immense notre très cher papa André José Bilombo à sa dernière demeure physique. Bon retour chez vous, chers amis, parents et amis, et surtout, excellence de journée. Merci. Mais tu fais
S'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Comme étant des enfants de Dieu, nous allons tout faire selon la volonté du Seigneur. Voilà la fin de tout homme. Son voie ici la terre. Et voilà là où tout homme finira sa course. Aujourd'hui, c'est le tour de notre papa José. Demain, nous ne savons pas si ce sera le tour de qui. Le tour de qui j'allais dire. Alléluia. On va prendre une portion de l'Écriture selon Ecclésiaste 3:20. La Bible déclare, tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Raison pour laquelle nous allons rendre grâce à Dieu, célébrer le Tout-Puissant, car c'est sa volonté qu'un jour, tout homme regagne sa source. Comme étant des chrétiens et des chrétiennes, on va tous élever nos voix, remercier Dieu pour les parcours de notre cher papa José, prions dans le nom de Jésus. Père Céleste, papa, nous te disons merci. Papa, parce qu'un jour, papa José était venu dans ce monde, Père Céleste. Papa, et voilà un jour, il nous laisse, Père Céleste, papa, un nouveau lieu de repos. Père Céleste, papa, nous savons une chose certaine, que là où il est maintenant, il est en train de continuer sa vie auprès de toi, notre Dieu Tout-Puissant. Papa, le corps est rentré dans la poussière parce que l'homme, physiquement, a été créé par la poussière. Père Céleste, nous te disons merci. Matoun Yébélé, au nom de Jésus-Christ, au sambili boitelobi. Amen. Matoun Domingi Nkolo, Matoun Domingi, Matoun Domingi Nkolo, Yesu Matoun Domingi. Matoun Domingi Papae, Matoun Domingi, Yahweh, Matoun Domingi Nkolo, Yesu Matoun Domingi. Yoza malamu papae, Yoza malamu, Yahweh, Yoza malamu, Kolo Yesu, Yoza malamu. Yoza bolingo papae, Yoza bolingo, Yahweh nangae, Yoza bolingo, Kolo Yesu, Yoza bolingo. Yosopona, Yosopona, Masia Yosopona. Pour le Seigneur. Sa femme m'a réalisé, je vais prendre le fer et jeter. Merci. L'homme de Dieu va continuer avec une simple prière et on va faire l'enterrement comme vous. Seigneur, te glorifier, nous n'est comme toi. Merci pour notre parcours glorieux. Je nous fais ça qui nous papa en Dieu. Le cours du Seigneur a mis le Kénénaï. Azaraki. Qui est physiquement, mais pas œuvre naïe Kokoba. N'a pas gagné à l'équipe maladie. Il y a l'éternel. De la même manière où il a vu son fille, qui a été retourné à l'équipe des années. Dans les noms puissants de Dieu, Père. Merci pour nous. N'a pas bon à Yesu. Et tout bon et le bon et le bon. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Gino. Et vous,
Bon, mais tu m'as refusé. Tu m'as refusé complètement, merci. Oh, André. S'il vous plaît. Oh, André. Pantanos de cuota.